je m'appelle Alex. Vous pouvez trouver sur YouTube une autre vidéo que j'ai faite où j'ai parlé de ma schizophrénie. Je voulais aujourd'hui vous parler d'un autre sujet qui me passionne énormément, c'est la musique. Des fois, la meilleure façon de procéder, c'est d'aller jouer au piano. Tu sais. Je vais vous montrer un peu quelques petites affaires au piano. Là. Je trouve que c'est une des façons les plus faciles d'exprimer. Tu sais, si je parle de ma composition, d'inspiration, des mélodies, tout ça, ben, je vais vous montrer comment ça marche. J'ai toujours improvisé depuis le début. Puis l'improvisation pour moi, c'est une fois que tu connais tes gammes puis les accords, tout ça, l'improvisation pour moi c'est assez simple. C'est juste de la liberté de. C'est comme si mes mains voulaient se promener sur le clavier, puis je les laisse. Je laisse aller. Moi aussi, quand je pense au piano, tu sais, d'habitude il y a 88 clés. Puis c'est comme si je faisais un. Je peignais comme un paysage, les notes basses. C'est comme, ça serait comme les couleurs plus foncées. S'imagine un paysage, puis les notes basses, c'est comme les montagnes, puis les arbres, les troncs d'arbres. Quand ça vient plus aigu, ça peut être la neige. Si la neige, ça peut sonner comme... Quand tu mets tout ça ensemble, ça fait un paysage. J'ai mis un son d'orgue parce que ça fait penser, l'autre jour, ça fait pas longtemps, j'étais allé passer quelques jours à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, puis j'étais chanceux. Celui qui est en charge, le père abbé, je pense qu'il l'appelle, c'est un joueur d'orgue, puis il y avait dans l'église, il y avait une grande orgue, puis j'ai entendu jouer, puis ça m'a fait penser à ça, que je voulais juste comme improviser un peu avec un son d'orgue, c'est moi si ça ferait ça, là. Attends. Qu'il y a des chansons, des fois des airs ou des motifs qu'on peut jouer quand on improvise ou quand on pratique, qui sont comme, je dirais, joyeux, tu sais, quelque chose d'improvisé, mais comme je pensais à ça, tu sais, des fois, c'est en anglais, on dit upbeat, comme le tempo un peu élevé, puis c'est le fun à jouer. Dans ma vie, je joue beaucoup du jazz à la guitare puis au piano, puis le jazz, c'est vraiment des progressions d'accords, puis tu sais. On va sortir la guitare, la guitare classique. Je vais l'accorder. L'improvisation sur la guitare, c'est à peu près la même chose que sur le piano ou n'importe quel instrument. C'est de se laisser aller, pas trop. C'est comme si des fois on jugeait soi-même, on se jugeait. On dirait, ah, ça c'est pas assez beau, faut que ça soit plus comme ça. Mais tu sais,
juste te laisser aller, là, puis ça, tout va être correct.